Ok, ça c'est l'entrée de 5632 Monte Carlo Lane. Tu as la piscine ici. C'est une petite piscine. Et tu as aussi une petite place pour les gosses. Et la maison est juste là ici. Celle-là, donc ça c'est un townhouse, c'est à deux étages avec un garage. Ok, on va rentrer à l'intérieur pour voir c'est quoi la condition. Ça a été repris par la banque. Ok, donc on ne sait jamais quoi. Bon, j'ouvre. Bon, ils ont le parquet. Sur la droite, c'est la porte du garage. Et ça, c'est pour l'eau. Je sais pas si. Bon, il n'y a pas d'électricité. Mais je crois que tu peux un peu voir quoi. Bon, je peux essayer de prendre une photo. Comme ça, deux étages. Quand tu rentres, bon, il faudra sûrement changer le tapis. Ok. Et puis ça, c'est... Bon, tu peux voir que... On dirait que c'est tout est passable. Ils ont changé la machine à vaisselle. Changé le réchaud aussi. Le seul truc qu'ils ont mis, au lieu de mettre un micro-ondes, ils ont mis ce truc ici. Je crois qu'il faudra, si tu voulais le prendre, faut changer, faut mettre un micro-ondes. Hein. C'est quoi, c'est $250. Et il faudra aussi un frigo. Ok. À part ça, bon, on dirait que bon, une petite peinture. Ici, là, à part ça, on dirait que, bon, pour l'instant, on dirait que c'est en bon état. Et ça, c'est là où ils mettaient la télé. Et on dirait que c'est en bon état, quoi. Bon, on va aller voir dehors. Ça, c'est la terrasse. Le seul truc, c'est que l'arrière, bon, tu peux voir la rue ici, mais tout le complexe est clôturé. Bon, ici tu as la toilette. Tu as une petite place où ils peuvent mettre des choses dedans, un petit placard. Bon, on va monter en haut. Au-dessus ici tu auras, dans ce placard ici, c'est là qu'il y a le conditionnaire, l'air conditionné. Bon, il est en bon état, il n'est pas vieux, il faut simplement le nettoyer un peu quoi. Ok, il faut simplement le nettoyer un peu. Bon, c'est trois chambres. Ici, ce qu'ils ont fait, c'est que quelqu'un a ouvert. Tu vois, bon, au lieu de faire un placard
normal, ils ont fait ce truc ici, quoi. Mais tu peux remettre le placard, comme tu peux fermer cette chambre ici, en fermant le mur. Ok? Mais cette chambre ici, avec cette chambre sur la droite ici, ils partagent la même salle de bain. Ils partagent la même salle de bain. Ça, c'est le placard. Et ça, c'est la salle de bain. Il y a vraiment, on dirait qu'il n'y a vraiment rien de majeur, hein, dans cet appartement ici. Il n'y a vraiment rien de majeur. Il y a un petit placard ici. Ok, bon, ça te... tu vois sur l'eau, oh, il y avait l'électricité. Et voilà. Tu vois. Je ne sais pas s'il y a ici l'électricité. Voilà. Et comme je t'avais expliqué avant, quand tu vois, bon, les townhouses, d'habitude, c'est un peu plus d'argent. Tu vois ce que quelqu'un... Non, mais au lieu de reconstruire le placard, ils ont fait un truc vraiment d'aventurier, quoi. OK? Mais c'est facile à faire. Ça, c'est pas vraiment cher. OK? Il faut fermer ce mur ici. Dès que tu le fermes, ça te donne une chambre complète. OK? Et... Attends, je vois si on peut... Et voilà, ça c'est le AC, tu vois. Et il n'est pas en mauvaise condition, il faut simplement avoir quelqu'un qui vient le faire la maintenance. Et ça, tu seras bien, quoi. Ok, maintenant on rentre dans la chambre principale. Avec ça et bon, ça c'est vraiment la salle de bain. Pas ce qu'ils avaient ici, mais quelqu'un a fait quelqu'un a enlevé quelque chose. Il y avait quelque chose ici, je sais pas ce que c'était. Voilà, ça conclut. Et la vue d'ici, c'est aussi la rue, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un quartier que je sais que bon, normalement ça se loue très bien ici. Ok, ça se loue très bien.